saluons dans le précieux nom du Seigneur. Mon bien-aimé, est-ce que tu peux te rapprocher ici? Ah, la scène la moulin gabi, à pousser la pétawa. Voilà. Je ne voudrais pas que tu te caches. Ah, la limite au bibomba. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui cachent les interprètes. Parce qu'ils veulent seulement qu'on puisse les voir et ne pas voir l'interprète. Mais sois en paix même quand tu es là. La gloire reviendra au prédicateur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très étonné. Na kamwe makas. Pour un jour de semaine, de voir une telle ambiance. Alors je m'imagine ce que ça va être dimanche. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on peut voir qu'on est dans une église des gens qui sont vivants. Parce que nous croyons que ceux qui sont vivants manifestent qu'ils sont en vie. Et je suis énormément dans la joie quand je vous vois. Amen, amen. Amen. Et je suis rassuré que nous ferons une très belle marche dans les Écritures. Je n'ai pas besoin de me présenter. Parce que moi je crois que la chair n'est pas un lieu de présentation. Si quelqu'un veut me connaître, nous parlerons après le culte. Mais quand nous prenons la chair, c'est pour parler de la part du Seigneur. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, le ministre a pour mission de montrer au peuple le Père. Il ne vient pas raconter sa vie, ni son parcours dans le ministère, mais tout ce qu'il a besoin, c'est de déchirer l'agneau afin que le peuple puisse manger. Alors je voudrais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention, parce que pendant ces trois jours, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi et dimanche, nous parlerons sur la manière de donner. Mais il faut faire très attention, parce que la manière dont j'en parlerai n'est pas une manière courante. Et je ne toucherai pas les versets que vous connaissez régulièrement. Je parlerai dans la prophétie, mais je parlerai des données. Parce que moi je crois qu'il y a une bénédiction dans les dons. Est-ce que vous me suivez? Amen. Sois en paix, tu seras bien nourri. Nous allons prendre notre écriture de base. Nous sommes dans les livres de Proverbes chapitre 29. Nous allons lire à partir du verset 11, je crois. La Bible dit ceci: l'oreille qui m'entendait me disait erreur. Proverbe 29 à partir du verset 11. Proverbe 29 à partir du verset 11. Proverbe chapitre 29, verset 11. L'oreille qui m'entendait me disait erreur. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je savais le pauvre qui implorait du secours. J'ai sauvé le pauvre qui m'implorait du secours. Et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Et je remplissais de joie le cœur de la veuve. Ça va être notre texte de base. Chaque fois que nous irons à gauche ou à droite, tous les exemples que je prendrai, ça sera pour vous ramener sur cette écriture. Parce que nous croyons qu'un
ministre, c'est un couturier. Donc il faut qu'il soit capable de bien couper les tissus. Et qu'il soit capable de placer l'aiguille entre les tissus pour qu'il y ait un vêtement. Parce que la prédication, c'est tout un vêtement. Et ce vêtement-là nous permet de marcher dans les déserts. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'Israël a marché dans les déserts pendant 40 ans avec les mêmes vêtements et les mêmes chaussures. Naturellement, c'est impossible que quelqu'un porte un vêtement pendant 40 ans. Surtout celui qui marche dans les déserts. Donc nous croyons que les vêtements dont il est question ici est prophétique. Et c'est le vêtement qui te permet de marcher dans les déserts. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Ceci est très important. Parce que le jour où Esaü est né, je suis dans Genèse chapitre 25. La Bible dit que Esaü est né avec un corps complètement rempli de poils. Et la Bible dit que les poils d'Esaü étaient comme un manteau. Donc Esaü est sorti du ventre de sa maman habillée. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est la seule personne qui sort du ventre de sa maman avec un vêtement. Donc il est sorti avec un manteau. Mais l'écriture dit que Jacob lui n'avait pas de poils. Donc nous comprenons que Jacob était sorti nu. Est-ce que vous me suivez, hein? Amen. Je veux que tu me suives. Parce que tu dois faire une marche dans le désert. Et tu as besoin d'un vêtement. Donc Esaü est sorti habillé. Alors que Jacob lui est sorti nu. Cette chose, c'est ce qui se passe dans les jardins. Remarquez, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils se sont retrouvés nus. Est-ce que vous me suivez? Ici j'explique que Jacob et Esaü. J'explique que Adam et Ève. En réalité, c'est Jacob. Parce que Jacob est sorti sans vêtements. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit que Esaü est né avec un manteau. Donc Jacob est né sans manteau. Donc Jacob est né nu. Donc celui qui est nu, c'est celui qui a perdu la gloire de Dieu. Ça c'est selon le livre de Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, la gloire de Dieu s'est retirée. Alors ils se sont retrouvés nus. Mais remarquez, frère, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils ont fui Dieu de la face de l'Éternel. Cela veut dire qu'avant le péché, Adam et Ève étaient dans la présence d'Israël. Mais une fois qu'ils ont péché, ils se sont éloignés de la face de Dieu. Je voudrais exhorter ici. Il faut savoir que chaque fois que tu pèches, spirituellement, tu t'éloignes de Dieu. Ce qui fait que même ta prière, Dieu n'écoute plus. Même si tu es dans un combat, ça ne concerne plus. Parce que le fait que tu as péché t'a éloigné de la face de Dieu. Maintenant, remarquez, Dieu se met à la recherche d'Adam. Je suis en train d'expliquer le vêtement d'Esaü. La Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait les jardins. Le soir. Pourquoi? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce n'est pas l'Éternel qui parcourait les jardins. Il y a où était le temps pour la c'est la voix. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Dieu lui-même n'a pas parcouru les jardins. C'était la voix de l'Éternel qui marchait. Et qui se mettait
c'est l'homme qui avait péché. C'est nous disons que cette voie-là qui parcourait. En réalité, ce sont les prophètes. Amen. La voie qui parcourait là. Parce que je te vois, mais la voie a fait une marche. Donc pour Adam. Adam. Écoutez. Yoka. J'aime les marches. Chaque fois que la voix disait Adam, en réalité c'était Jérémie, c'était Esaïe, c'était Habakkuk, c'était Sophonie, c'était Néhémie. Ce sont les différents prophètes qui recherchaient l'homme qui avait péché. Parce que tout le temps de la loi, Dieu était à la recherche de l'homme. Mais Dieu s'est à la recherche de l'homme par le prophète. C'est pourquoi la Bible dit dès le matin, je vous ai envoyé le prophète. Donc cette voie là qui parcourait les jardins a commencé la marche le matin jusqu'au soir. Et j'ai dit la dernière voix qui a crié dans les jardins, c'était Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean, c'est lui qui est la voix du soir, qui annonce le coucher du soleil. Vous allez souffrir avec moi. Parce que nous allons balancer la nuit. Il y aura une pression atmosphérique. Et le temps va changer. Regardez frère. Oh, la voix là qui criait était en train de rechercher l'homme. Je vais descendre. Parce que si je reste dans les airs, tu risques de ne pas me comprendre. En réalité, chaque fois que tu pêches et que les ministres sont en train de prêcher l'évangile, en réalité c'est la voix de l'Éternel qui te recherche. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la prédication et l'enseignement doit avoir aucune autre mission si ce n'est que de rapprocher l'homme de l'Éternel. Écoutez, je ne suis pas venu te prêcher les biens matériels. Je sais que tu en as besoin. Je ne suis pas venu te prêcher les mariages. Je sais que tu en as besoin. Mais je sais une chose. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. Le verset ne finit pas là. Je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton homme. Cela veut dire que l'âme doit prospérer en premier pour que les matériels te suivent. La difficulté que nous avons aujourd'hui, les gens cherchent les matériels avant les spirituels. C'est comme ça qu'ils forcent. Vous forcez parce que spirituellement vous n'êtes pas encore plus proche du royaume. Donc Dieu cherche d'abord que l'âme de la personne chante. Je vais le dire dans les termes les plus clairs. C'est-à-dire que Dieu a horreur des pécheurs, des impudiques, des voleurs, des corrompus, des gens qui calomnient, des gens qui vivent comme ça. Ils ne peuvent rien espérer de l'éternel. Vous allez voir, frère. Adam et Ève étaient nus. La voix a commencé à chercher. Et écoutez ce que la Bible dit. Quand la voix cherchait Adam, Adam n'était pas là. Donc nous comprenons que pour Adam, il était dans le désert. Parce que ce qui caractérise un désert, c'est l'absence de la pluie. S'il n'y a pas la pluie, ce qui vous les a dit, le lieu est désertique. Souffrez. Que je puisse embrasser le prophète Esaïe. Esaïe dit ceci. De la même manière que la pluie descend du dessus.
féconde la terre et fait germer les plantes. Ainsi, en est-il de ma parole. Esaïe confirme que la pluie est une parole. Et est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, s'il n'y a pas de pluie, qui est l'absence de la parole, le lieu est un désert. Donc nous comprenons prophétiquement Adam et Ève étaient dans un désert. Dès qu'ils ont péché, les cieux étaient fermés pour les gens. Ils connaissent pour la Jésus. Vous savez, quand un homme pêche, en réalité, Dieu ferme les cieux. Vous savez, un jour, vous savez, nous-mêmes, pour prendre des exemples, nous prenons dans la Bible. Dans la Bible, merci. Je n'ai pas besoin d'aller dire, tu vois, il y a un pasteur qui est allé à Katakoko, mais non. Non, tu vois, quand j'ai circulé Minza, la Bible dit que Dieu a tout mis. Il veut déjà bâtir Nyoso. Par écrit tout. Consultez les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera de fou. Donc, même les exemples, nous prenons dans la Bible. Il faut qu'un prédicateur qui fasse la différence entre prendre un exemple et donner un témoignage. Si tu veux donner un témoignage, demande le temps de témoignage. Demande au modérateur, cher président, même si tu es ministre, je voudrais témoigner. Et quand on te donne le micro, tu viens témoigner. Non, on t'invite pour venir prêcher. Quand tu nous prends 30 minutes dans le témoignage, nous comprenons que tu n'as rien à dire. Tu deviens comme un disque de 33 tours. Yo, comme le voit un disque à 33 tours, Wana. Les exemples sont dans la Bible. Andaki, c'est dans la Bible. Regardez, frère. Un jour, les enfants d'Israël appellent Moïse. Moïse, nous sommes fatigués de t'écouter. Même si tu as séparé la main rouge. Mais nous, fatigués de t'écouter. La Bible dit, c'est lui qui crée à l'homme le vouloir et le faire. C'est l'Éternel. C'est lui qui a fait que Israël se fatigue de Moïse. C'est Dieu. C'était pour dire à l'homme que si tu ne prêches que par l'effort de l'homme, le peuple va se fatiguer. Je disais à un prédicateur, tu sais, quand le peuple est fatigué de toi, tu seras la dernière personne à être informée. Parce que déjà, il commence à parler. Il n'a plus rien à dire. Toi, tu es la dernière. Il n'y a pas de soucis. Si les gens ont soucis, c'est pourquoi quand tu es ministre de la parole, il faut rester connecté au Saint-Esprit pour que tu puisses toujours avoir quoi dire. Et quand tu sens que c'est fini, descends. Quitte. Vous savez, on a connu des pasteurs comme ça. Mais tu es un pasteur dans le régime. Maintenant, il a peur de la grâce de notre prédicateur. Il multiplie les séminaires sur séminaires. Pour empêcher l'autre aussi de venir. Tous les peuples aussi ont vu que l'homme n'a plus rien à dire. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que chaque fois qu'un prédicateur prêche, même quand tu es un ministre assis, en train d'écouter, il faut écouter comme un disciple. Parce que pendant que l'autre prêche ici, en réalité, si tu es branché, Dieu va t'ouvrir des portes. Le jour où tu monteras, l'homme va être étonné que sur le même sujet, tu ouvres d'autres fenêtres. Mais si tu es un ministre Colombo, quand je suis aux amis ministre Colombo, vous connaissez l'inspecteur Colombo, non? L'inspecteur Colombo.
C'est un inspecteur. Lui ne fait que contrôler les enseignements des autres. Ça, si moi j'avais touché. J'allais prendre ces versets. Colombo. Israël dit. Israël dit. Soyez en paix, j'ai 3 jours. Vous allez qui m'y en a, vous allez je prends tout mon temps. Nous attendons la même pénzin. Regardez, frère. Moïse, nous sommes fatigués de t'écouter. Moi, c'est ton ébouillon, yo, kakayo. Nous voulons que Dieu descende lui-même. Ton Isaac qui taille moko. Cette prière est une prière qui était conforme à la doctrine. Le sang, moi, les allons ensemble, kokaki, namoko. Parce que depuis la création, Dieu descendait. Où t'as moqué la mise à main, les mokita. Quand il a voulu créer, il est descendu. Dans les mokela, akitaki. Quand il a voulu créer Adam, il est descendu. Dans Adam, akitaki. Quand Adam a péché, il est descendu. Dans Adam, akiti. Donc, Israël savait déjà que Dieu descend. Il s'est réveillé, mais des amis, akitaka. Donc, quand Dieu descend, dans Adam, akita. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Les alliés, Emmanuel, Zamek, à ta vision. Donc, la prière d'Israël, là. Oui, dit le sang, moi, c'est le wana. Consistait à dire. Demande à Dieu de descendre. Ce n'est pas Zabé Akita. Nous voulons le voir comme ça. Dieu a exaucé aussi la prière. Il dit à ce peuple. Je lave l'air maintenant. Le troisième jour du matin. Moi, Dieu, je descendrai. On sait qu'ils sont des faits prophétiques. Parce que pour que Dieu descende, il faut que le Fils de l'homme puisse mourir et être ressuscité. C'est pourquoi il avait dit laver les vêtements pendant 3 jours. Les gens qui n'avaient pas compris sont allés repasser les vestes. Ils ont préparé les pagnes. Et ils sont arrivés les vêtements. Regardez ce qui va arriver. Ce que je vais dire ici, ça c'est moi qui dis. C'est ça, c'est moi. Donc le matin, Natongo, Dieu n'était pas encore sorti de sa chambre. Parce que Dieu a une chambre. Selon le livre des Psaumes 19. Le soleil semblant à un époux qui sort de sa chambre. Donc, Dieu a une chambre. Mais je confirme que Dieu était encore dans sa chambre. Mais Dieu n'était pas encore sorti. C'est sûr que Dieu était en train de mettre les vêtements. La Bible dit. Israël a entendu les tonnerres, les tremblements de terre et les éclairs. Dieu n'était pas encore arrivé. Mais les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre annonçaient sa venue. Est-ce que vous me suivez? Donc les tonnerres, les éclairs, les tremblements de terre, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Merci. Parce qu'avant que Dieu ne vienne, ces choses se sont manifestées après nous. Je veux balancer la nuit. Donc les tonnerres, les éclairs, les tremblements de terre, ce sont les prophètes. Parce que tous les prophètes ont annoncé sa venue. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es Jérémie, tu es Esaïe, tu es Abakouk. Jésus n'a pas renié ça. Parce qu'il savait que lui, il est l'accomplissement de tous les prophètes. Donc les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre, en réalité annoncer la venue de quoi? De l'Éternel. Oh, le frère Paul me soutient dans ce que je dis. Paul dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne tellement. Donc nous comprenons que la nature est un enseignant. Je vais marcher pour aller consulter la nature. Oh, naturellement. Dès qu'il y a éclair, tonnerre. Un tremblement de terre. Nous savons que la pluie va tomber. Donc nous comprenons. C'est Dieu là qui voulait venir. Et une pluie. Mais il a été annoncé par les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre. Est-ce que vous me suivez, frère? J'aime ces choses. Donc la venue de Dieu voulait tout simplement dire que la pluie va tomber. Regardez ce que Israël fait.
sala. Au lieu d'attendre. Mais c'est comme Zéla. Ils ont dit non. Habité. Nous ne voulons plus qu'ils viennent. Ton église soit yadé. Ah, ça aussi c'est Dieu qui a exaucé. Voilà, ben, ça, regardez, vous avez fait ça. Parce que la première demande d'Israël, c'était le temps des prophètes. Mais sa deuxième demande, c'est le temps de la grâce. Et la ils ont dit à Moïse, qu'il ne descende pas, qu'il t'épargne toi, et toi viens nous dire. Moïse rentre là-bas. Dieu dit à Moïse, puisque c'est ainsi, désormais, si je voudrais parler à ce peuple, c'est par un homme que je l'ai parlé. C'est celui dont l'Éternel me dit. L'Éternel, votre Dieu, vous susciterez un autre prophète. Est-ce que vous voyez ça fait? Amen. Donc cette demande-là, il a enfermé une double dispensation. Et le temps d'Israël, et le temps de l'Église. Maintenant, regardez. Oh! Oh! Moïse, que Dieu ne descende pas. En d'autres termes, que la pluie soit retenue dans la toison. Vous les canamans, regardez là-bas. Donc, Israël disait que la pluie soit retenue dans la toison. Et vous les canamans, que la pluie ne descende pas. Vous les nocades qui t'attendent. Il est merveilleux. Donc, quand la pluie ne descend pas, quand vous voulez nocades, la terre était déserte. Combien sommet. Amen. Donc quand la pluie ne descend pas, quand vous voulez nous quitter, la terre devient désertique. Ma belle, combien de c'est pourquoi la Bible dit, Israël a marché 40 ans dans le désert. Ces déserts-là, vous voulez tout simplement dire, Dieu est retenu dans le ciel, il n'est pas descendu. Mais il est en train de parcourir les gens. Jean-Baptiste arrive, il dit, je suis la voix. Est-ce que vous me suivez, hein? Amen. La voix parcourait les gens. Jean-Baptiste arrive, il dit que lui Jean-Baptiste, il n'est que la voix. Il est la voix de qui? C'est celui qui crie dans les déserts. Écoutez frère, cependant, Jean-Baptiste était dans les Jourdain, l'eau coulait, mais lui dit, il crie dans les déserts. Évangile éternel, évangile éternel. Si les géographes étaient là, si les climatologues étaient là, vous allez dire que Jean-Baptiste, tu es un fou. Parce que là où tu te tiens n'est pas un désert. L'eau est en train de couler. Mais pourquoi tu dis, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts? Oh, celui qui crie dans les déserts, c'est le ciel fermé. Il y a une perfection dans les écritures. Maintenant vous allez comprendre. Quand Jean-Baptiste dit ça, il introduit Jésus. En réalité, quand Jésus entre, le ciel est déjà fermé. Parce que Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Mais celui qui criait dans les déserts, c'est celui qui venait après. Lui n'était que la voix, mais celui qui criait. Voilà pourquoi quand Jésus travaillait en Israël, Israël n'a pas cru. Parce que le ciel était fermé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans les jardins. Parce que les jardins est une forêt. Il faut apprendre à entrer avec des bottines à 12 crampons. Et c'est que je rentre dans les jardins. Il faut apprendre à entrer avec des bottines à 12 crampons. Mais quand la voix est en train de chercher Adam, la voix est partie du lieu saint. Ça, je passe. Voilà, on est là. Pour signaler seulement qu'il y a une sortie ici. Vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute,
Même si ici il y en a pas, mais sur l'autoroute, quand tu roules, tu verras un panneau qui te dit qui quitte là-bas. Mais toi tu passes quand même. Donc si un jour tu décides d'aller à Kikwiti, tu peux prendre le jour. Merci. Merci. Vous avez compris, hein? Amen. Donc quand nous prêchons, dans ton côté, des fois nous levons seulement les panneaux. Dans ton côté, un panneau. Pour que les autres ministres, quand ils viennent, ils peuvent passer par là. Donc l'Éternel a commencé à chercher Adam dans les lieux très saints. Parce que c'était les lieux du rendez-vous. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah, parce que il arrive dans les lieux du rendez-vous, c'est ça. Ah, comme il est sigue beaucoup dans la parce que le lieu de rendez-vous est une chambre. C'est pourquoi Jésus avait dit si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, fais attention. Ce n'est pas la chambre physique. Et là, non, c'est être dans la présence de Dieu. Il n'y a que dans les lieux très saints que Dieu rencontre l'homme. Non, il ne faut pas prêcher comme les gens de groupe de prier. Si vous êtes le groupe de prier, nous bien-aimés entrer dans ta chambre. Nous découvrons les chambres dans le soukou na yo. Parce que la Bible dit qu'il faut entrer dans ta chambre. Écoutez le soukou na yo. Voilà, tu as compris en français. Voilà, ce sont les livres français. Donc, Dieu a commencé par les jardins. Vous avez pas laissé quelque chose tout. Il n'a pas trouvé Adam. Je vais lever notre panneau. N'ayant pas la panneau, nous sommes en fait, Adam et Ève, Adam, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans les lieux saints. Mais si ça est saint, il y a beaucoup. Ça, je suis de passage. Voilà, non, les gars. Je vous salue. Dieu sort dans les lieux saints. Il constate que l'homme n'est pas là. Amenez tes mots à ça. Il a compris que l'homme est dehors. Parce que quand quelqu'un pêche, il va en dehors de la maison de Dieu. Donc prophétiquement, Adam était allé au parvis. Adam a quitté le pango. Parce que le parvis, c'est le seul lieu où l'homme vient se réfugier en espérant rentrer. C'est pourquoi quand Israël sacrifiait, il ne sacrifiait qu'au parvis. Oh, regardez, le parvis, c'est la partie extérieure du temple. Parce que le lieu saint est le lieu très saint. Paul dit que c'est la partie intérieure. Donc le parvis, c'est la partie extérieure. Parce que vous m'assurez, en d'autres termes, le parvis, c'est le bas de la montagne. Parce que le bas de la montagne, c'est la partie qui touche la terre. Les cieux sont son trône, et la terre est son marchepied. Le marchepied de Dieu ici, c'est le parvis. Dieu arrive dans le lieu saint. Vous avez compris les tout. Là, il est maintenant rassuré que Adam est dehors. Voilà, maintenant, je que Adam a maintenant, Dieu doit sortir. Je vous avais signé la Bible. Moi, je vous avais dit. Vous avez signé non. Esaïe, le premier-né. Esaïe, moi, la Bible. Doit sortir avec un manteau. Ah, Esaïe, la Bible, maintenant, Gazak. Donc, ici, ah, ouais. Dieu ne pouvait pas sortir en tant que père. Vous avez compris maintenant, nous, la tata. Il ne peut pas sortir en tant que créateur. Parce que l'homme dans le péché ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Avant de sortir, il prend un vêtement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, il y a mon chien à dire ici. Hébreux chapitre 10. Oh, éternel Dieu. Oh, Yahweh Zam. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as fait un corps. Voici, je viens. Donc, le corps là, c'est Dieu qui se faisait lui-même son propre corps. J'avais dit ça quelque part, je ne me souviens plus. Je vais vous le dire maintenant. Vous savez quand.
non ma péché. Ritango moto asumoki. Alors Dieu voulait trouver une solution pour piéger le diable. Parce que le problème de Dieu c'était comment attraper le diable. Maintenant Dieu se disait, si j'entre dans le temps, Dieu avait peur de mourir. Je t'informe que Dieu avait peur de mourir. Dieu avait, il se disait, si j'entre dans l'état, est-ce que je sortirai? C'est ça, que le diable n'avait pas vu. Il n'a pas vu ce que Dieu avait fait pour entrer dans les temps. Et il a pensé qu'il va avoir Dieu dans les temps. On sait que Dieu a fait. C'est ce qu'il a fait avec Noé. Noé, le jugement va tomber. Le Dieu va frapper la terre. Maintenant, Noé s'est dit en lui-même, comment je ferai pour ne pas mourir? Alors Noé s'est construisit une arche. Vous me suivez? Oh, Noé ici, c'est le père. L'arche, c'est le fils. Parce que l'arche, c'était ce que Noé avait conçu. Donc, Noé allait en forêt couper un bois. Il faisait la maison. Il mettait les mesures. Quand tout le monde regardait, il disait il est fou. Mais lui savait que la pluie va tomber. Je cherche un endroit pour me protéger. C'est vraiment des frères. Ce que Noé faisait là, il construisait une maison pour entrer dans les temps. Maintenant, quand il finit de construire, parce que l'arche, c'est le fils de Noé. Maintenant, quand il finit de construire l'arche, lui-même le père, il entre dans les temps. C'est pourquoi Jésus avait dit, le père est à moi. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Moi, je suis lâche. Le père est à moi. Et c'est vous suivez cette chose. Amen. C'est ce que Noé a fait. Il construisit lâche. Et en réalité, c'est le fils. Je voudrais t'exhorter, frère. Exhorter ma soeur. Quand les temps difficiles viendront, quand les difficultés viendront, rassure-toi que tu as le fils. Rassure-toi que tu as l'âge. Parce que c'est le lieu de ta protection. Noé entre dans l'âge. Et la pluie commence à tomber. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, c'est Noé là qui rentre dans l'âge. En réalité, c'est l'éternel Dieu qui rentre. Dans les temps. Il rentre dans les temps. Et ça, le diable n'avait pas vu. La pluie commence à tomber sur l'arche. En croyant qu'en tombant sur l'arche, il va toucher les pères. C'est comme ça que le diable a pris le corps de Jésus. Il a fait porter les péchés. Il a dit les malédictions. Tout. Sur la croix, il retiendra Dieu. Et quand ils arrivent sur la croix, il vient mort. Ah, Jésus, merci. Évangile éternel, évangile éternel. Viens de mettre dans le Seigneur. En réalité, l'arche de Noé, ma soeur est Noé. Là où il est allé se poser, c'est la montagne de Golgotha. Et ça, Golgotha. Parce que la Bible dit, c'est sur la montagne d'Arara que l'arche est allée se poser. Oh, c'est sur cette même montagne que Abraham a voulu sacrifier Isaac. Or, Isaac est l'ombre de Jésus. Nous comprenons que cette montagne, c'était Golgotha. Il entre à Ponti. Amen. Tous les temps que la pluie tombait, c'était Dieu qui marchait dans les temps, mais dans un corps. Amen. Amen. Et les diables ont pensé qu'il va l'avoir dans les temps. C'est pourquoi il s'est
est attaché à, il s'est attaqué à la chair. Je voudrais te dire, frère, si le diable veut t'attaquer, so, il diable, il dit, il commence toujours par la chair. Tous les désirs du péché passent par la chair. J'ai toujours dit ceci. L'ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable. C'est sa propre chair. C'est pourquoi la Bible nous recommande de combattre les désirs de l'âme. Quand le diable veut t'attaquer, il s'apprendra à la chair. Merci. J'aime ces choses. N'allez ma camboyo. J'ai encore 20 minutes. Hein? N'oubliez pas. Nous prêchons sur donné. Ce que je prêche ici, c'est donné. Voilà côté. Parce que Dieu a donné. Et vous allez voir que Dieu a donné ce qui était le plus cher de lui-même. C'est pourquoi nous sommes très nombreux aujourd'hui. Sois en paix. Je ne vais pas te prêcher. Celui qui. La main qui donne, c'est la main qui sera bénie. Et le robot est au pèse, il y a moi et vous parlez. D'ailleurs, je t'informe que la main qui donne, c'est Dieu. Écoute, là, le robot est pèse, il y a des amis. C'est pas toi. Il a yoté. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'était la main de Dieu qui a donné. Donc, c'est lui qui aime. Oyo alingi, il donne à pesa. Vous savez, docteur, vous savez, on ne peut pas vous prêcher d'apporter l'argent. C'est comme si on vous force. Mais celui qui aime, oyo alingi, mais les gens qui sont mariés, babala. Bon, à moins que tu n'aimes pas ta femme. Alors, va moi c'est ça, c'est ton problème. Voilà, mais moi j'aime ma femme. Nga moi c'est. Quand mon père a lingi, il donne à pesa. Il ne réfléchit pas. C'est l'amour bon limonde qui le pousse à donner. Oui. Oui. Mais quand quelqu'un ne donne pas, il n'aime pas Dieu. Maintenant tu voudrais qu'on trouve des versets pour t'expliquer. Non, non, mais il faut donner. Non. L'amour, il ne se prive pas de donner. Et je vous informe, les dons est une multiplication. Les amis, comme il s'est belé, vous allez voir que toutes les personnes qui donnent, au moins, la pesaka. C'est ce que Job a dit. Job a dit chaque fois que j'ai donné au veuve, aux orphelins, la veuve prenait, mais ceux qui ne comprenaient pas, Job a dit ça. J'étais en train de récupérer sa bénédiction. Mais regardez, Jésus, Dieu entre dans l'étape. Nous avons continué à tango. Dans l'arche. D'accord, dans la sourde. L'arche va jusque sur la montagne d'Arara. Ma soeur, quelqu'un est en combat à Arara. Vous allez voir quelque chose qui se passe là-bas. Comment est-ce qu'on va les capuna? Quand l'arche arrive sur la montagne d'Arara. Dans ma soeur, comme il est en combat à Arara. J'ai expliqué que c'est l'œuvre de la croix. N'a libéré des âmes au sein de Koulous. Parce que jusque-là. Pour qu'il nous voit, non? Le Père marchait avec le Fils. Satan, t'as pour la moi. Pour visiter Adam, vous avez sans monter les
qu'est-ce qu'il fait? Il se prend un vêtement de peau d'animal. Il a juillé la main pour soigner. Parce que Dieu est sorti avec une peau. Pour des amis la pour venir habiller Adam. Donc il n'était pas sorti comme ça. Il est sorti habillé. Habillé la regardez. Jésus commence le ministère. Hier, ça va dire l'automne. La Bible dit qu'il était habillé en tunique. Il veut mettre à l'attaqué et l'en bas. Sans couture. Et Zanga et Sika Kotonga. Et c'était en lin. Pesaki, il y a lino. Ah, ça j'ai dit. Mais quand Jean-Baptiste l'a présenté, il a dit voici l'agneau. Il avait vu Jésus habillé en peau d'animal. Il a dit pour soigner. Amen. Amen. C'est ce qui se passe au jardin. Il y a quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il avait vu habillé en peau d'animal. Donc la peau de l'animal, c'est avec ça qu'on fait l'habit en laine. Il y a mon ébassage et l'amba, il y a lino. Il y a laine et lin. Ils en ont lin et laine. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que l'habit en laine peut être l'amba, il y a posanyama. Représente tous les sacerdotes du temps de Moïse. Et parce qu'au temps de Moïse, on ne sacrifiait que les animaux. C'est comme ça que quand Jésus arrive, quand Jean-Baptiste le regarde, il dit voici la fin de la loi. Voici l'agneau de Dieu. Il ôte les péchés de l'homme. Il a dans son corps tous les prophètes. Parce qu'au temps des prophètes, peut-être que ça va les bouts, les vaches, les bœufs, voici la mère des dieux. Mais quand il a commencé l'œuvre, il était habillé en laine. À l'attaquer le malino. C'est pour dire, le temps de la loi est fini. Maintenant c'est le temps de la grâce. Le temps de la maintenant suivez-moi. Sur la dernière bouquée. Avec sa robe. Na sutani na ye, zambala na ye. Jésus fait le ministère. Zambala sa, ye sa l'otomo, sa l'otomo. Nous disons, Togo loba, c'est l'éternel dans l'arche qui marche. Ezali, yawa gotama nakaka masuwa. Mais avec un vêtement. Avec un vêtement. Kasi na ye lamba. Son problème c'est qu'il y avait un homme qui avait péché. Les livres de Lévitique ou de Deutéronome disent ceci. Si tu prends le manteau de ton prochain, puisqu'il n'en a qu'un, donc ton prochain n'a pas deux vêtements. Il en a qu'un. Tu vois là, si tu penses que c'est ton frère, ça devient difficile. Voilà, ce que c'est là, de Konayo, parce que ton frère a beaucoup de vêtements. Mais c'est proche ici. Il n'avait qu'un seul vêtement. Ah, les lambas, mon corps. Alors la Bible dit que si tu prends son vêtement, et que le soir arrive, pourquoi il va faire froid. Et mon père, il n'a pas de vêtements pour se couvrir. Ah, il faut lui remettre son manteau. Oh, Adam avant de pécher, en réalité il avait un manteau. C'était le manteau de la gloire. Mais puisqu'il a péché, Dieu a récupéré le manteau. C'est comme ça que Adam constatait qu'il est nu. L'écriture dit, il n'a que ce seul manteau. Il faut le lui remettre. Voilà pourquoi la voix parcourait le soir. Maintenant nous comprenons. Jésus, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Vous savez, quand nous disons dans Genèse, comme Genèse est une ombre, il n'y a pas la représentation exacte. Mais quand nous allons dans la réalité, c'est là que nous voyons clairement. Donc quand Dieu cherche
cherchait Adam. Il le cherchait pour lui remettre son manteau. Est-ce que c'est pourquoi il a croisé Adam le soir? Parce que la voix parcourait les jardins le soir. C'est pourquoi quand Jésus monte sur la croix, physiquement, c'était à midi. Mais comme l'écriture doit s'accomplir, et le manteau doit être retourné le soir. La Bible dit que le ciel s'obscurcit. Le soleil s'est couché. Mais avant que Jésus ne monte sur la croix, alors les Romains. J'aime les Romains. Parce que ce sont les prophètes. Les Romains ont commencé à déshabiller Jésus. Parce que vous me suivez. Amen. C'était le soir. Les Romains déshabillaient Jésus. Ils ont pris ses vêtements. Ils ont d'abord pris les vêtements. Ils disent bon voilà. On est combien? On est quatre. Hein? On va couper ses vêtements. Si vous prenez mon pantalon, sans une pantalon, vous le coupez encore. Vous allez porter quoi? Oh, là, t'as nimé. Le coupage ici, c'est tout un enseignement. Ils ont récupéré les vêtements. Ils ont dit on va couper. Nous coupons. Toi tu prends Matthieu. Yo suis Matthieu. Toi tu prends Marc. Yo suis Marc. Toi tu prends Luc. Yo suis Luc. Et lui prend Jean. Yo suis Jean. Mais la tunique, quasi tunique, nous n'allons pas couper. Y'a mon toka ta tête. Est-ce que vous me suivez? Amen. En réalité, la solo, les habits qu'on a enlevés à Jésus, les Romains les portaient. Parce que spirituellement, les Romains représentaient Adam qui avait péché. Donc Jésus est venu pour leur donner les vêtements à porter. C'est pourquoi Paul dit, revêtez-vous donc de Christ. Quand Christ était un vêtement, Christ était là-bas. Ils ont récupéré. Vas-y. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a ma combébélia pour le bas. Souffrez que je puisse le dire dans 5 minutes et je finis. Ah, on y a comme un an, on a minute, on a fait dans 6. Vous savez, vous avez dit, dans les jardins, Nakate Langa, il y a un fleuve qui sortait. Le fleuve là qui sortait. C'est la tunique de Jésus. Et la Bible dit que quand ce fleuve sortait, il se subdivise en quatre bras. Donc la terre, est nourrie et par un fleuve subdivisé en quatre bras. C'est pourquoi j'ai dit, il y a moi dans le bas. Les gens qui nous racontent la vie de Jésus sur la terre. Parce que le fleuve là entre dans la terre. Le seul qui nous raconte la vie de Jésus sur la terre, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les hommes Matthieu, Marc, Luc, Yohani. Pour que Paul explique ces choses, il doit se référer à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et c'est là qu'il n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Yohani. Parce que c'est eux qui racontent cette vie. Bon, vous allez voir. Jacob aussi fait la même chose. Jacob vient se marier. J'étais fort. Il s'est marié à quatre femmes. Léa. Léa. Rachel. Zilpa. Et Bila. Et Bila. Bon, je sais que tu as l'enseignement que ce sont les servantes. Ça, ce sont des ramifications. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais les quatre là sont les femmes de Jacob. Vous voyez, hein? Jacob, Jacob, c'est la source. Azali Ziba, subdivisé en quatre. Gabo est habité de Minei. Donc les quatre femmes là, Basi Minewana, ce sont les quatre bras du fleuve. C'est ça les vêtements qu'on a coupés sur la croix. Il y a un là-bas, ma carte qui est coulous. On coupe. Ma carte. Quatre morceaux chacun. Habité de Minei, motona, motona. On récupère les vêtements. En réalité, on était en train d'habiller Adam.
l'homme qui avait péché. Parce que c'est la raison pour laquelle Jésus était venu sur la terre. Il était venu pour récupérer l'homme qui avait péché. Celui qui avait péché était nu. Mais pour rentrer, il doit être habillé. C'est pourquoi Esaïe est né avec un vêtement. C'était l'image de Dieu lui-même qui sortait de l'éternité avec un vêtement. Mais arrivé le jour de la bénédiction, l'Écriture nous dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Esaü a laissé son vêtement. Esaü a posé le lamba. Je ne vois pas qu'Esaü n'avait pas oublié le vêtement. C'était un acte prophétique. Le mouvement d'Esaü là qui sort, c'est la croix. Et là, il parce que Jacob, quand la maman dit va voir le père, il dit, le père saura que c'est moi parce que je n'ai pas de vêtements. Il a dit que je n'ai pas de poils. Je vous avais dit que les poils étaient manteaux. Jacob disait que je ne suis pas habillé. Le père ne peut pas me recevoir. Alors la mère prend le vêtement des Esaü. Comme maman Dieu l'amba Esaü. Ici je n'ai pas touché les chevaux. Ah on a subi ta bâté. Ça c'est un autre enseignement. Moi je prends seulement le vêtement des Esaü. Parce que Esaü c'est oui, le fils premier. Attends qui a laissé son vêtement. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est Jésus qui monte sur la croix. Il est en train de laisser son vêtement. Alors tique l'amba na yé. On récupère les vêtements de Esaü. On fit porter à Jacob. Jacob qui était nu, devient habillé pour entrer chez les pères. Voilà, comptez pas, tata. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Regardez. C'est le dernier exemple. Et je mets un point virgule. Un jour, Élie commence son voyage pour aller au ciel. Ah, bah, dis-moi, même pour aller à l'école. Élisée, il s'accroche à elle. Je voudrais vous rappeler que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Je t'informe que Élisée avait la calvitie. Et Élisée, ça qui n'a dit pas dit. Donc Élisée n'avait pas de cheveux. Élisée, ça qui n'a pas dit. Oh, celui qui n'a pas de cheveux est nu. Zogane, oh, ça a souquité à Wolubu. C'est Esaü 35. Et là, Esaü 35. Semblant à une brebis muette. Kokani n'a pas de haut à l'obagate. Qu'on amène à la boucherie. Qui ne dit pas un seul mot. Oiseau matin, il va et pensez qu'il attend. Donc, quand on enlève les poils, on est sans cheveux. Ozangi souki. On est nu. Wolubu. J'en parlerai le vendredi. Et quand Adam avait péché, en réalité Dieu l'avait coupé les cheveux. J'en parlerai le vendredi. Élisée, il s'accroche à Élie. J'aime ces choses. On dit à Élisée que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui. Oui, je sais. Il continue à marcher avec lui. Lui, calme ici. La Bible dit. Il vient lobby. Et lui, lui pose la question. Et lui a tenu mon tour. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais avoir ta double portion. Il dit, Dieu, si Dieu te fait grâce de voir comment je serai. Comment je serai. Il est le meilleur. Si tu vois comment je serai. Alors tu recevras la double portion. Regardez le jour de l'enlèvement d'Élie. Quand Élie monte, il se déshabille. Parce que la Bible dit que son manteau. Est-ce que vous me suivez? Amen. Faites attention. Fais
physiquement, je ne voudrais pas dire que Elie était resté nu. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, Elie est resté nu. Parce que le vêtement physique ici ne peut pas entrer au ciel. Okay. Amen. Tu as compris, hein? Amen. Donc quand Elie montait, il s'est déshabillé pour que Élisée soit vêtu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Prophétiquement, le manteau d'Élie, c'était tout un vêtement pour Élisée. En d'autres termes, c'était la chevelure d'Élisée. Le manteau d'Élie constituait la chevelure d'Élisée. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus dit aux disciples, ne sautez pas encore. Attendez. Lorsque le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez revêtus. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire qu'avant le Saint-Esprit, vous n'étiez pas encore vêtus. Quand le Saint-Esprit vient, vous serez revêtus. Mais quand le Saint-Esprit descend, il descend sur la tête des disciples. Évangile éternel. C'est vous, monsieur. Amen. Ma soeur, c'est comment si c'est bon, hein? C'est ça qui toque, hein? Comme ça, c'est un peu. Même si tu comprends. Attends, ce soit au ressort là. Dans la réalité, les disciples qui étaient dans la chambre haute, bah, ils étaient des gens qui n'avaient pas de chevelure. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça la chevelure des disciples. Il y a un souci. La chevelure a été donnée à la femme. Et puis ça veut dire voici. Premièrement, la femme n'a pas de cheveux. Moi c'est la souquité. La femme est corvo. Moi c'est un corvo. Mais la chevelure. Parce que sous qui est personne là qui est. Mais qui lui a donné la chevelure? C'est Élie. Mais ça Élie. Quand il montait. Dans la rue au matin. Voilà pourquoi la Bible dit. Dans cette Bible le dit. À cause des anges. La chine la femme doit avoir sur sa tête. Moi c'est ça dans mon ton aïe. La marque de l'autorité dont elle dépend. Elle est moi à mon conduire à la chine à ici la marque ce n'est pas le foulard. Ah ouais elle est moi les amis et foulard. Non. La marque c'est la chevelure. Elle est moi à souki. Elle est sur sa tête. Ah la mon ton aïe. La marque de l'autorité. Elle est moi à mon conduire. Quand on regarde la femme. Comme à taille moi si. Moi sur sa tête. La marque de mon ton aïe. Son autorité. Mon conduire aïe. Non. Zoka. La Bible dit. Bible le dit. Samson dit à Delilah, ma force et ma puissance se trouvent dans mes cheveux. Quand Delilah récupère les cheveux, elle a sur sa tête la marque de l'autorité de quelqu'un. Tu es le bien-aimé de Dieu. Parce que l'Éternel t'a donné sa puissance. Il t'a donné le Saint-Esprit. Qui est la marque de l'autorité dont tu dépends. Tu ne peux pas avoir peur de l'ennemi. Que le soir, 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 que le so